de terminer les plaidoiries. Nous créons les 5 premiers. Donc, mais elle, les autres avocats, on est quand même plus de 55 avocats à la barre. Donc, déjà, voilà, on est 5 avocats avant de faire un compte rendu, comme ça vous allez être au courant. Voilà. Donc on a eu des avocats de tous les coins d'Algérie, essentiellement bien sûr Tizi Ouzou, Bjeyan, Alger, Blida. Donc il y a eu une présence massive des avocats parce que c'est ce que j'appelle, on a fait le report, oui, ça s'appelle des procès test pour une région et ça coïncide avec le 14 juin. Donc, oui, on fait normalement la période de guerre où les chichéraïlines en Algérie. Donc, l'histoire du 14 juin 2001, je pense que les chichéraïlines vont. Oui, on fait tout le juge de guerre, il fait la situation. On fait ce genre de procès parce que nos citoyens ne sont pas des voyous. Ce sont des hérakis, ce sont des gens qui appellent à la démocratie, aux droits de l'homme, et c'est des gens qui veulent juste un changement et un changement positif. Voilà, on veut des libertés. Donc le verdict. Le verdict, on ne sait pas si c'est pour aujourd'hui. De toute façon, si c'est pour aujourd'hui, ça peut être un bon signe. Si c'est pour après, point d'interrogation. Le procureur, c'est Maître Louna aussi, Lydia. Oui. C'est quoi les chefs d'inculpation qui sont reprochés Alors, c'est atteinte au président de la République. Comme d'habitude. Et aussi, alors que franchement, les éléments n'existent pas là-dessus. Donc, ils ont été poursuivis pour l'article 144 bis du Code pénal et le 96 du Code pénal. Voilà, on attend le verdict. Monsieur que vous avez le procureur à mettre. Il a demandé avec. Il n'a pas présenté qu'un réquisitoire, c'est ce que j'ai dit dans ma plaidoirie. Il s'est même mis à plaider un dossier qui doit être logiquement, pour moi, classé. Même si Ouyoufen, un procureur Xmeren, courageux, c'est celui, même si il a une poursuite judiciaire, mais les inculpations ne sont pas fondées, il peut très bien se raviser. Donc lui, il a quand même plaider le dossier, alors que dans des affaires aussi simples, ce que j'appelle pas d'affaires du tout, parce que ça ne doit même pas porter un mot d'affaire, logiquement, il fait un simple réquisitoire. Lui, il a demandé un enfermé 100 000 dinars pour les deux, que ce soit celui qui l'Habs ou que le plus 100 000 dinars d'amende. Voilà. À votre avis, par rapport à l'ambiance du procès, oui. C'est quoi votre verdict? Je ne peux pas. Je suis un avocat, je ne donne jamais un verdict dans des situations comme celle-ci en Algérie. D'autant plus, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est un procès test dans les deux régions. Et l'ambiance du procès, elle était tendue? Eh bien, oui, au début c'était tendu. Après, on a remis un peu les choses en main. Il y avait un petit incident, mais ça va. Ça va. C'était quoi l'incident? On se réserve de tout ça aujourd'hui. Voilà. C'est une mauvaise ambiance, voilà. Au départ, mais après c'est bon. Nous sommes les avocats, nous sommes là, on a imposé le palais. Mais pour une visite, ça veut dire que c'est malade à des non-présentations, est-ce que Ismaël, Hel, tout ça, on va. Voilà. Allez,